We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Hello, everybody. Bonjour à tous. Je pense que nous devons encore attendre quelques instants pour les autres panélistes. Nous avons avec nous M. Mark Williams, M. Barbier, nous attendons encore les autres participants. Nous avons le représentant de l'IGF. Nous avons avec nous Madame Henriette. May, nous attendons encore. Le ministre pour la communication et la technologie de la République de l'Afrique du Sud, Renra Villa, est avec nous, je vois. Nous avons parlé avec elle au sujet de l'éducation. Et il semblerait que nous attendons encore M. André Zureb de Malte. M. André Zureb est professeur de l'Université de Malte et ambassadeur pour les questions numériques de la Malte. Monsieur Goran Marby est apparemment déjà avec nous, qui représente l'ICANN. Et nous attendons toujours et encore Monsieur Mario Cimoli. Le secrétaire adjoint exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, attendons peut-être encore les panélistes restants pour pouvoir parler de la gestion d'Internet et de l'économie numérique à laquelle nous n'avons pas tous le même accès. Entre nos panélistes, nous avons beaucoup d'économistes. Et je pense donc que ces aspects économiques passeront au premier plan de notre discussion. Vous pouvez encore remarquer qu'il y a deux panélistes dans la salle à Katowice. En fait, c'est vous qu'on attendait. Je vois que vous êtes déjà avec nous. Donc, Madame Henriette. André Schwierp. Et Monsieur André Xureb. André Xureb. Très bien. Vous représentez donc Malte, n'est-ce pas? Il y a aussi un participant. On a aussi quelqu'un de la République d'Afrique du Sud, il me semble, en tout cas. Elle était censée participer à ce colloque. En tout cas, si vous le permettez, nous allons pouvoir commencer, à moins que nous n'attendions encore quelqu'un. Mais je crois que nous sommes tous là. Je vois Goran Marby, John Frank, je vois Mark Williams de la Banque mondiale, Renata Avila, qui est juriste spécialisée dans les droits de l'homme et le droit international. Il y a aussi Monsieur Frank. Spécialiste reconnu en questions économiques, et je crois que c'est tout. Je crois que nous n'attendons plus personne et que donc nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Je voudrais vous remercier
de participer. Désolé, monsieur Goran Marbim, j'essaierai de traduire au fur et à mesure. Vous avez des traducteurs normalement. S'il y a un problème, j'essaierai de traduire. I will translate for you. So, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants, à tous les participants à ce panel de haut niveau. Pendant près d'une heure, nous allons essayer d'échanger, de débattre autour de la question de la gouvernance d'Internet plus particulièrement et sur une thématique d'actualité. Une thématique donc avec nos panélistes, des experts de haut niveau, dont deux panélistes qui sont déjà sur place à Katowice. Donc la représentante de l'IGF, Madame Ariette, d'Afrique du Sud, et Monsieur Greb, qui est de représentant, donc physicien et représentant pour l'Université de Malte. Donc, je vais essayer d'introduire, avant de présenter tous les panélistes de façon plus précise et plus conséquente, je vais essayer tout de même d'introduire un peu la thématique. Donc, on va parler « Which middle governance models to promote inclusive and diverse business development ?» What stands in the way? Donc, what stands in the way? Quels sont les obstacles précisément à ce modèle de gouvernance que nous devons promouvoir? Which have to promote this model of development, which will be inclusive and diverse, which is equally make technology accessibility for all the people from the south and from the north of our internet world. So, dans un environnement, je vais essayer de faire une petite introduction pour situer un peu ce débat de haut niveau qui concerne donc cette économie digitale qui marque un peu notre époque. Nous sommes, il faut le reconnaître, dans un environnement, chers panélistes, globalisé et digitalisé. Et donc, du saut de cette digitalisation des moyens de production, des moyens de moyens de travail, les facteurs de production eux-mêmes, nous parlons désormais de l'âge, du quatrième âge de la révolution industrielle, puisque nous y sommes de plein pied. La révolution industrielle est bien belle une réalité. Seulement voilà, toutes ces technologies, nous sommes au beau milieu d'une ère de digitalisation, avec ce rapport quasi addictif que nous entretenons désormais à l'égard de la connectivité. Aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté, la moitié des emplois actuels verront leur travail, leurs tâches, disons leur poste de travail, complètement évoluer en raison d'Internet, et on n'y échappe pas. Nous l'avons vu un peu avec la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19, combien il était important pour nous de goûter au plaisir, je vais dire, on va dire, du télétravail. Mais pas seulement ceci, il y a aussi l'évocation de cette mutation digitale du monde du travail, et je vais insister sur cet aspect, puisque le monde du travail à venir, sans interroger, quels seront à l'avenir les emplois dont auront besoin nos entreprises dans ce monde, dans cette économie numérique, dans 5 ans, dans une décennie à l'orée de 2030 ou de 2050, face à tous ces bouleversements numériques. Je vais inviter les panélistes à se présenter et à développer la réflexion ensemble sur l'importance de l'accès équitable au monde de la digitalisation, sachant très bien que face à ces bouleversements justement numériques, c'est au gouvernement qu'il incombe prioritairement la responsabilité d'assurer la qualité d'abord de l'éducation, parce que l'éducation est aussi un moyen où nous donnons accès à d'autres populations aux apprentissages des connaissances. C'est une chose très importante. Nous sommes dans l'économie du savoir et l'économie numérique, sans oublier la formation continue tout au long de la vie du salarié, des salariés que nous sommes pour certains, qu'il est très important donc de goûter aux vertus, on va dire, aux vertus de la technologie et surtout de savoir que notre travail aujourd'hui ne peut plus être possible, peut-être dans un monde autre possible, sans Internet. On parle d'intelligence artificielle, de transition digitale, c'est important aussi dans les mœurs et dans
dans le champ sémantique des médias aujourd'hui. On parle de systèmes d'automation, de télétravail, de plateformes numériques, de contenu numérique, de cybersécurité aussi. On y reviendra. Toute l'importance que ce nouveau monde, donc ce monde de digitalisation, représente à nos yeux en tant qu'experts, mais aussi en tant qu'économistes, en tant que des spécialistes et experts dans le droit juridique numérique, comme Madame Renata, et dans tout le système de régulation et de bonne gouvernance. Donc, face à l'explosion de ces technologies perçues comme le sésame d'avenir, il faut le reconnaître, d'un avenir plus radieux pour le marché mondial du travail, pour la croissance mondiale, en nous vend du coup, on sait très très bien que chaque entreprise en pleine crise de Covid a pu, grâce aux technologies numériques, échapper un peu dans leur activité à ce mauvais passage de l'inactivité, de l'inaction, de l'immobilisme où tout le monde était condamné à être confiné. Je crois qu'un peu cette crise de la Covid nous a un peu aussi, a été un peu une démonstration très forte de ce qu'est aujourd'hui l'économie numérique. Mais également, nous ne pouvons pas aborder la question de l'économie numérique sans parler d'égalité d'accès à ces technologies, de connaissance du savoir généralisé, de la démocratisation d'Internet, mais également et surtout, quelles sont les politiques publiques de gouvernement que les gouvernements sont tenus, eux, de mettre en place pour amorcer ce virage de l'économie numérique et baliser le terrain à tous les acteurs du numérique, à savoir baliser le terrain pour notre jeunesse, très, très, très addicts, on va dire, à tout ce qui est Internet, nos étudiants, nos apprenants, nos universités, les employés des entreprises, les citoyens libres qui ont cette liberté d'accéder à l'information de façon transparente lorsque cette information émane des pouvoirs publics. Donc, tout ce beau monde, tous ces acteurs des technologies de l'information et de la communication en vue de développer un monde meilleur, plus équitable en termes d'accès aux compétences numériques. Donc, alors, tout après toute cette proposition, nous reviendrons sur les questions. Je vais essayer, même si je n'étais pas très, très, très brève, de présenter les intervenants, des intervenants de grande qualité scientifique, des panélistes, hommes et femmes, issus du monde des technologies numériques, de l'économie, des physiciens, mais également des juristes, des avocats internationaux et surtout des acteurs très en vue du monde de ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Donc, je suis ravie de vous présenter nos honorables intervenants à ce panel IGF, donc Internet Governance Forum. Je sais très très bien que je vais commencer d'abord par Madame Henriette Esther-Susan, qui est sur le site. Donc, j'aimerais bien que la caméra soit dirigée quand même. On va essayer de chaque fois de faire le tour, de présenter un peu de manière très très succincte. Nous avons donc la présidente du groupe consultatif multipartite qui est déjà à Katwitz, donc l'IGF, avec qui le Forum pour la gouvernance de l'Internet. L'IGF qui comprend, je vous le rappelle, 50 membres ici du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, dont des représentants des communautés universitaires et techniques. Esther-Sen est actuellement membre de la Commission mondiale sur la stabilité du cyberspace et qui continue à travailler dans tout ce qui est réseau d'Internet, progrès des communications et surtout le rôle de la société civile dans cet accès équitable au monde des technologies. Nous avons également Madame Renata Avila qui est en ligne. Madame Renata Avila, qui est CEO Open Knowledge Foundation, qui vous possédez une fondation qui s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme, ce qu'on appelle les droits numériques, et donc vous êtes avocat international des droits de l'homme, et on sait l'importance de ce qu'on appelle les Open Gov, l'accès libre et transparent aux informations des décideurs politiques pour qu'il y ait cette vraie démocratisation d'Internet. Bonjour Madame Renata, bonjour. Nous avons en salle toujours donc Monsieur Goran Marby, qui est suédois, Monsieur Goran Marby, Corporation for Assigned Names and Numbers, société qui est l'ICANN. Bonjour Monsieur Goran.
Alors, Monsieur Goran est en ligne. I'm here. Hello. So, hello, Mr. Goran. I'm happy to have you with us. Sorry for. Merci d'être avec nous. Parlons de parler français, mais c'est mieux pour. Je parlais français, c'est mieux. Je n'ai pas préparé de présentation en anglais, donc pardon. J'espère que vous n'avez rien contre. Bien sûr, il est possible de prendre la parole dans la langue de votre choix. The corporation assigned names, ce qu'on appelle les fameux noms de domaine, which is important for us. It's our address, ces noms de domaine, des numéros sur Internet. C'est comme ça que nous pouvons accéder de façon automatique avec cette intelligence technologique. Et vous étiez, je vous rappelle, Monsieur Goran, vous avez à votre actif une expérience de 20 ans dans le domaine du secteur de l'Internet. Vous avez été aussi à la tête de la haute autorité suédoise indépendante de régulation des postes et des télécommunications. Bienvenue, Monsieur Goran. Et nous avons aussi Monsieur sur le site, donc. Hello. Oui, pardon. Monsieur John Frank, j'y arrive. John Frank est vice-président United Affairs Microsoft. Vous êtes le vice-président des affaires des Nations Unies de Microsoft. Vous dirigez les équipes des affaires gouvernementales des Microsoft à Bruxelles et dans les capitales européennes. Et on sait que, bon, je ne voudrais pas faire de la publicité pour Microsoft, mais Microsoft est très présent dans l'univers de nos usages technologiques et quotidiennement dans les solutions du télétravail et de toutes sortes d'applications, des applications technologiques. C'est un outil fondamental dont l'usage est très important parce que lorsqu'on parle d'Internet, on parle aussi d'usage, de quotidienneté, de familiarisation avec ces technologies au quotidien. Bienvenue, Monsieur John Frank. Heureuse de vous avoir, très ravie de vous avoir avec nous. Alors, nous avons Mark Williams. Hello, thank you. Il y a un petit décalage, je pense, au niveau de la voix. Tout le monde est là, donc on est tous là. Alors, nous avons deux panélistes donc on site et quatre panélistes en ligne. Avant d'aborder les questions qui vont être au débat, je vais être bref. Avec Mark Williams, vous êtes donc le digital development, le monsieur digital et développement global des connaissances de tout ce qui est digital à la Banque mondiale. Donc, vous êtes un peu l'analyste, l'observateur averti de ce monde digital. Mark Williams, vous êtes directeur exécutif en connaissances et expertise mondiale en développement numérique. Et surtout, vous êtes économiste avec plus de 20 temps de ce qu'on appelle travail de réglementation dans le secteur numérique et qui couvre un éventail de domaines spécialisés, la stratégie, la réglementation, c'est ce qu'on va, et puisqu'on va en parler, la réglementation, c'est la gouvernance. Et voilà, donc je vais adresser, on va rentrer maintenant dans le vif du débat, j'espère ne pas avoir été très longue quand même, mais je voulais qu'il y ait une contextualisation de ce débat très très important autour de l'importance aujourd'hui de l'économie numérique et surtout de cette diversification et cette vision inclusive du monde d'Internet aujourd'hui, Internet qui l'on espère. Un de ses principaux objectifs est de démocratiser l'accès à tous les peuples du monde pour que ces connaissances soient partagées, ces outils technologiques soient partagés pour un meilleur être dans le monde du travail, mais également dans le monde de l'éducation. Alors, je vais commencer à céder la parole. Premièrement, d'abord, après avoir introduit tous les panélistes, à céder la parole à Madame Renata, qui va nous parler donc de l'importance de ces droits numériques. Et tour à tour, c'est la question que je vais poser. Je vais solliciter l'interaction, c'est-à-dire on va tous interagir avec tous les panélistes volontairement. Ça veut dire la question sera posée à tout le monde, mais je vais commencer parce que je pense que les droits numériques sont un des volets importants de cette économie numérique dans l'aspect de ce libre accès à l'Internet. Alors,
Ma question, je ne vais pas adresser en première, Renata, mais elle s'impose, donc elle va être posée à tout le monde. Comment faire en sorte aujourd'hui, vous qui êtes spécialiste, Renata, du droit numérique, comment faire en sorte que personne ne soit laissé justement pour compte dans l'économie émergente, dans l'économie numérique émergente aujourd'hui? Comment allons-nous faire? Est-ce que c'est viable? La parole est à vous, Renata. Dear high-level panel, dear Samira, I will start with a provocation, basically. Over the last 20 years, we have focused on... Je vais commencer par une petite provocation. Pendant les 20 dernières années, nous sommes concentrés dans une grande mesure sur une approche inclusive sur l'accès. Mais c'était une perspective peut-être un peu trop générale. Nous voulions imposer des choses. Nous avons par contre oublié un peu que nous devrions utiliser le potentiel créatif de tous les utilisateurs de l'Internet. Donc aujourd'hui, certains éléments du monde numérique se concentrent dans les mains d'une poignée de gens ou d'un petit groupe de sociétés technologiques qui fournissent les services dont bénéficient tous les utilisateurs. C'est donc un modèle très centralisé et nous devrions tendre vers une transformation de ce modèle, ce qui nous permettra de résoudre certains problèmes liés avec l'inclusion. Nous devrions donc nous souvenir du fait que ce ne sera pas une solution que nous arriverons à élaborer du jour au lendemain. Mais nous devrions investir. Nous devrions investir dans l'assurance à tout le monde un accès juste aux technologies numériques de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier et participer à leur création. Je pense que j'ai été heureuse parce que je viens d'un sud mondial. Vous savez, dans ces pays, l'accès au service de base, le service numérique est tel qu'il est. Donc si on a toutes les compétences, si on a le savoir-faire, même si on a une idée pour résoudre les problèmes que nous devons résoudre, il s'avère que le marché à présent est un peu perverti, perturbé. Il y a des acteurs très forts qui ont une concurrence de prix, qui peuvent assurer des solutions à des prix très attractifs. Même dans certains pays, ils proposent des solutions infrastructurelles gratuitement. Donc les petits acteurs ne peuvent pas être concurrentiels pour le prix, même quand ils ont d'excellentes idées. Donc ils sont repoussés quelque part sur un rail parallèle. Donc le prix n'est pas le critère inclusif pour ce qui est du choix des technologies, surtout quand il s'agit du secteur public. Lorsque nous regardons l'éducation, nous voyons que nous travaillons aujourd'hui avec les allants des enfants. Nous essayons d'éduquer les enfants pour assurer un démarrage digne dans le futur. Mais pendant tout ce temps, ces programmes d'enseignement, c'est des programmes qui misent sur une passivité. Des programmes qui ordonnent aux enfants d'apprendre certaines choses, mais on leur apprend pas une réflexion critique sur les technologies qu'ils utilisent. Il s'agit de faire en sorte à ce que l'enfant soit en face du moniteur qui le regarde, mais on n'utilise pas, on n'exploite pas l'ordinateur comme un outil de développement créatif. Et même s'il y a des choses qui se créent, on crée des plateformes très refermées qui ne permettent pas aux jeunes gens de se développer. Nous devons donc commencer par travailler avec les enfants très tôt pour créer une culture juridique, une culture où la diversification, l'hétérogénéité sera importante, mais pour laquelle il sera important d'assurer aux gens les meilleurs services possibles pour assouvir leurs besoins. Sorry, Mrs. Renata, or each of you have
Nous excusons, malheureusement, chacun n'a que 2 minutes pour s'exprimer. Donc, merci beaucoup pour ces remarques. J'ai remarqué que c'est très intéressant comme remarque. Maintenant, la même question sera adressée à la personne suivante. Mr. John Frank, la parole est à vous. How do you react? Is this for about the same question? Thank you. Well, I think that, you know, technology has become such an important part of our economy. Je pense que la technologie, effectivement, est devenue un élément crucial de notre économie, de notre quotidien. Il faut se poser la question de savoir si la technologie dont on se sert reflète les valeurs de notre société et les valeurs que nous chérissons. Les gouvernements sont appelés à jouer leur rôle pour réglementer l'activité et faire en sorte que la technologie, effectivement, reflète les valeurs que nous chérissons en tant que société et en tant qu'individu. La portée des nouvelles technologies augmente, s'élargit de plus en plus. Ça couvre de nombreux aspects. Nous parlons maintenant d'une augmentation d'environ 10% pour ce qui est du secteur ICT. Donc l'accélération, c'est ça, on va passer de 5 à 10%. C'est sans précédent, un développement sans précédent pour ce qui est des nouvelles technologies et tout ce que ça implique en termes d'impact sur l'économie mondiale. Et il est important, ce qui est important, c'est que tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'agriculture ou les sciences exactes ou encore l'éducation, tous ces secteurs sont influencés par les nouvelles technologies, sont affectés par les nouvelles technologies. Il faut donc nous poser la question de savoir si la transformation numérique, si les mécanismes d'intelligence artificielle reflètent nos valeurs, si la question de savoir si on se sent bien, si la manière dont les informations sont utilisées ne nous pose pas de problème. Dans ce contexte, il faut réfléchir à la manière de réglementer, la manière dont les outils juridiques créés par les États pourraient nous aider à suivre le processus et à garder la main sur les événements. Ça a été dit par le vice-secrétaire général dans les conclusions du plan de coopération numérique. Il nous faut trouver de meilleures manières pour que le plus de gens possible soient connectés à Internet, et tout en vérifiant si le processus de transformation numérique se fait en conformément à nos valeurs. Donc les humains doivent être au cœur des changements. Il nous faut réfléchir à la question de savoir si l'accès à Internet est assuré financièrement, techniquement, voir si au niveau des infrastructures, on est à niveau de performance, quelles sont les compétences numériques qui vont être exigées dans divers secteurs tels que l'éducation ou les systèmes de soins de santé. Il me semble que ce dont on a besoin, c'est en réalité un cadre plus large. Les gouvernements nationaux doivent s'assurer que la situation est réglementée, la situation fiscale, que les allocations de ressources financières sont satisfaisantes. Mr. John Frank, vous considérez que les gens ne sont pas les gens, la connexion est un droit pour tous, mais les gens ne sont pas assez connectés parce qu'il y a aussi un problème d'infrastructure. Et un problème aussi qu'il faut régler avec les États. Nous allons revenir en site avec Madame Renata Erpissen, qui représente l'IGF.
à qui nous adressons la même question pour essayer de... Madame Renate, toujours autour de la même question, comment permettre on-site, j'imagine que le débat continue, autour de la façon de démocratiser cet accès équitable en pensant à créer les outils accessibles à tous, sachant très bien l'aspect aussi créatif pour les jeunes, pour les universitaires de l'Internet. Comment faire en sorte, la question est aussi adressée, puisque je suis obligée de donner une intervention de 2 minutes à chaque panéliste. Madame Renate, comment faire en sorte de ne pas laisser les laisser pour compte de ce qu'on appelle cette économie numérique? Comment faire en sorte pour que cet accès soit inclusif et non exclusif ou vraiment, comme l'a évoqué Madame Renata ou Monsieur Gianfranc, rendre cet outil beaucoup plus créatif et beaucoup plus accessible en impliquant les gouvernements dans ce process? La parole est à vous. Thank you, Samira. And I'm Andrea here, everyone, for the record. I think we cannot... Je pense que... Je m'appelle Henriette. Henriette, n'est-ce pas? Je m'appelle effectivement Henriette. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne serons pas en mesure de nous confronter à la question de l'inclusivité sans parler d'exclusion. Il nous faut reconnaître une chose, à savoir que le monde n'est pas égal. Le monde n'est pas égalitaire. Il y a des inégalités en matière de développement social et économique. Il y a beaucoup d'exemples de discrimination basée sur le sexe ou autre. Donc sexisme, racisme, etc. Donc c'est un gouffre qui ne sera pas comblé très, très rapidement. Le gouffre numérique non plus. Souvenons-nous d'une chose, c'est que le rôle des preneurs de décisions, c'est-à-dire des politiques, des chefs d'État, c'est de rendre les choses possibles et pas de contrôler. C'est ça le paradigme de l'action, ça devrait être ça. On devrait rendre les choses possibles. Nous devrions être des facilitateurs et pas uniquement des organes de réglementation. Pour ce qui est de la gestion d'Internet, la gouvernance Internet, souvenons-nous d'une chose, c'est que les grandes entreprises Internet, ça n'est pas tout Internet, ce n'est pas la même chose. Les grandes entreprises et Internet, c'est deux choses différentes. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que les réglementations visant à renforcer la concurrence ne signifient pas forcément une surrégulation, une surréglementation. Souvenons-nous d'une chose, c'est qu'Internet est un bien commun. C'est comme cela que et c'est en tant que tel qu'Internet devrait être géré et gouverné. En tant que communauté, il nous faut lutter contre l'exclusion numérique, mais souvenons-nous d'une chose, c'est qu'avant tout, il nous faut ici... Très intéressant, merci. Merci pour cette intervention très, très intéressante. Parce que quand on parle de réglementation, juste pour être vraiment sur la même idée, il faut en fait redéfinir... Une manière de repenser un peu l'usage d'Internet, parce qu'il y a un aspect, c'est la protection des données dont les mêmes utilisateurs d'Internet sont à l'origine. Il y a la problématique de comment protéger ces données tout en ayant un accès à Internet. Avant d'aborder cette question, vous avez aussi insisté sur l'aspect globalisation des marchés. Justement, avec la pandémie de la COVID-19, nous avons vu que de toutes les façons, nous sommes dans une ère, dans une époque de post-globalisation où lorsqu'on vantait l'économie du marché, on s'est rendu compte aussi que cette économie de marché ne permet pas de partager de façon équitable cet accès des peuples encore qui sont soit soumis à la pauvreté, soit soumis à une problématique d'éducation, soit à l'inégalité entre hommes et femmes, puisque certaines femmes n'ont pas forcément accès au numérique aussi. Ça, c'est une autre problématique. Je voudrais enchaîner toujours autour, avant
de passer à la question de la réglementation pour ne pas perdre du temps avec Monsieur Mark Williams de la Banque mondiale qui va nous donner ses impressions. Donc, est-ce que nous sommes dans une ère tout de même de post-globalisation aujourd'hui de l'économie? Il va falloir repenser un peu l'éducation, l'accès à Internet, la façon de partager la connaissance, les connaissances scientifiques, technologiques dans le monde aujourd'hui. Samira, I just want to ask you to slow down a little bit. The interpreters are struggling a little bit to translate what you are saying. So if you can just, when you're speaking in French, just to slow down a little bit. Thanks. Okay. So ma question est adressée à Monsieur Mark Williams. Je ne sais pas, je vais aller tout doucement pour le je suis navrée. Est-ce qu'il faut repenser justement, il faut repenser la politique globale de l'économie. Voilà, vous avez compris. Donc nous sommes dans une ère post-globalisation où l'économie, on a vu que l'ère heureuse de l'économie globale a donné quelques limites justement à cette ère heureuse puisque il y a une iniquité de fait. Par rapport à l'accès aux avantages d'Internet économiquement pour le monde du travail et dans le monde de l'éducation en général et des connaissances. Ma question s'adresse au représentant de la Banque mondiale, M. Mark Williams. Toujours dans le même esprit de la question, on est toujours dans la première partie du débat. Thank you. So this question about inequality and the structural inequalities that have been... La question concerne les inégalités structurelles qui ont été mises en exergue par la pandémie de COVID-19. Je voudrais évoquer deux aspects. Premièrement, ce que la pandémie a montré, c'est que c'est la force des services numériques qui nous ont permis de continuer à être actif et d'avoir accès à l'éducation. Ça, c'est un aspect, un côté de la médaille. L'autre, mais le revers de la médaille, c'est qu'on a remarqué d'autres, de nouvelles formes d'exclusion. Et c'est pour cela que je pense que, quand on parle tant de l'importance d'assurer un accès inclusif à Internet. C'est comme ça que sont les choses du point de vue de la Banque mondiale. Nous voyons ce processus de numérisation comme un écosystème complexe, tout un écosystème complexe. Et je voudrais maintenant avoir une approche véritablement généraliste. Il nous faut créer les bases, jeter les bases d'un accès à l'infrastructure, aux appareils, mais aussi à des services plus avancés, des services numériques plus avancés. Il est important d'assurer l'accès à des systèmes tels que l'ID numérique, l'accès à l'e-administration, administration en ligne. Tous ces mécanismes, tous ces services numériques, mais aussi l'accès au software est important, au logiciel. On va continuer avec la première partie, mais on va faire un peu vite parce que je crois que la question de la réglementation s'impose. Monsieur Goran Marby, vous voulez interagir par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici autour des opportunités que pourrait offrir l'économie numérique aujourd'hui et le problème de la post-globalisation aujourd'hui en tant que représentante de l'ICANN. In 2 minutes, yes. That's a challenge. En 2 minutes, ça va être difficile, mais je vais essayer. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement polonais, car grâce aux difficultés, le sommet est organisé. Il est organisé en format hybride, c'est-à-dire partiellement présentiel. Je voudrais remercier le gouvernement polonais pour tous les efforts qui ont été placés dans l'organisation de ce sommet. Je voudrais approcher, ou comment dire, décrire le problème d'une manière un peu différente. Parce qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Vous savez, moi, je représente le monde de la technique. Le monde de la technique qui, justement, permet l'accès à Internet. Ces 20 dernières années, nous avons travaillé intensément de manière à faire en sorte qu'Internet soit accessible à tous. Vous n'entendez pas parler de nous, mais parce qu'on n'est pas en première page des journaux, mais c'est ça en fait. Nous, on assure l'accès à Internet. On peut dire que vous êtes en compte technique avec nous, puisque c'est nous les fournisseurs invisibles de services. Afin que ce soit possible, on a eu besoin d'un modèle multilatéral créé pour les besoins du fonctionnement d'Internet. Nous étions en mesure de donner l'accès à Internet sans réglementation spéciale, sans mettre en place de nouvelles lois. Et nous veillons à ce que, du point de vue technique, l'Internet fonctionne. Dans les dernières années, nous remarquons toutefois un grand nombre de quantités d'énergie négative, un certain criticisme par rapport à Internet. Je peux dire que je me suis réveillé un jour en 2016 et je me suis rendu compte du fait que tous ces commentaires positifs au sujet d'Internet, du jour au lendemain, se sont transformés en commentaires négatifs. Nous disons qu'on recherche de nouvelles solutions qui réglementent ce qui se passe sur les plateformes numériques, mais j'ai peur d'une surréglementation. Je pense que ce dont nous parlons ici aujourd'hui doit aller vers une différenciation. De la fourniture de services Internet du point de vue technique ou technologique et de services numériques qui ont besoin de la mise en place d'une réglementation appropriée. À chaque fois que vous entrez sur une plateforme numérique, on peut dire que vous vous connectez avec un ordinateur, l'ordinateur de quelqu'un, ou vous vous connectez à des services qui sont fournis dans le nuage. On peut s'imaginer le nuage comme un garage où sont garées de nombreuses voitures. Donc l'Internet nous permet de nous connecter à d'autres personnes dans le monde entier. Nous devons nous assurer que c'est un environnement qui fonctionne de manière fonctionnelle. Et en ce qui concerne la mise en place de nouvelles réglementations, je pense qu'il devrait y avoir des réglementations qui sont bonnes pour tout le monde. L'Internet, c'est un peu comme la démocratie. Si on ne veille pas à ce qu'est Internet, si on ne vérifie pas son fonctionnement, nous ne pourrons pas faire bénéficier des bénédictions d'Internet. Merci beaucoup. Oui, comme la démocratie. Si on ne pratique pas la démocratie, si on n'y veille pas, malheureusement, ce système peut dérailler. Donc, il faut s'assurer que tout le monde a le même accès à Internet, le même aspect à l'infrastructure. Et pourtant, nous sommes toujours encore loin de l'idéal en cette matière. Alors maintenant, je transmettrai la parole au représentant de Malte. Et je voudrais poser la question de savoir quels sont les enjeux auxquels nous devons faire face par l'introduction de nouvelles. Je vais poser la question en français. Y a-t-il des défis qui, selon vous, doivent être relevés par le biais de nouvelles règles réglementaires de l'Internet? Comment doit-on réguler? Quel type de gouvernance imprimer pour que ce débat-là, jaillisse de ce débat-là, de vraies recommandations? La parole est à vous, M. Xuberg. Zoreb.
Thank you so much, and it's been a very interesting. It's very very interesting hearing my fellow panelists discuss. And at the c'est très intéressant d'écouter les autres panélistes. Je veux dire que, en fait, ce que je voulais dire a déjà été dit ici par Henriette, mais je pense que ça vaut la peine d'être répété. Hier, je l'ai dit aussi pendant un autre panel que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas actionnaire. Donc, j'ai le droit de dire je ne sais pas comment... que faire avec ces défis. Mais je vais essayer de formuler ma réponse de mon mieux. Un accès égal aux connaissances, à l'information, aux nouvelles informations est très important. Je suis d'accord à 100%, sinon plus, que c'est possible, que c'est faisable, que c'est sur nous que repose le poids de garantir un accès égal. Je pense que c'est un point de départ. Et les nouvelles réglementations vont nous permettre d'aller dans la bonne direction, j'espère. En fait, évidemment, nous ne savons pas entièrement comment le faire au niveau de l'Union européenne. Maintenant, nous réfléchissons sur la manière d'introduire des systèmes ultra sûrs de communication. Il s'agit ici avant tout de systèmes ultra sûrs qui seraient créés au sein de l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne. Il y en a qui appellent ça un protectionnisme superflu. Il y a des voix critiques, toujours, mais je pense que les sociétés, les entreprises européennes devront devenir plus créatives, plus concurrentielles. Évidemment, je n'ai pas de solution toute prête comment introduire une réglementation qui ne sera pas superflue. Mais une réglementation intelligente peut pousser le marché dans la bonne direction, de manière à ce que nous bénéficions tous du marché. Et Samira, je voulais dire quelque chose à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que, en ce qui concerne l'accès à Internet, les régulateurs permettent aux petits opérateurs leur activité. On observe dans des pays comme le Mexique ou le Brésil, là-bas, on donne accès local qui concerne pas seulement l'accès à l'infrastructure, mais ça concerne aussi la construction de nouvelles capacités pour la numérisation. Donc on ne veut pas surestimer ou sous-estimer le rôle des organes de régulation. Je voulais juste dire que ces organes se concentrent trop parfois sur la régulation, tandis que le potentiel est énorme. Merci beaucoup pour cette remarque. Nous allons tout doucement passer aux conclusions. Pourquoi je parlais de l'économie post-mondialisation? Lorsque j'écoute vos interventions, je pense que chacun d'entre vous a sa propre vision de ce que sera Internet dans le futur. Nous disons que Internet devrait être quelque chose d'ouvert à tout le monde, qui devrait pas être un bien qui est accessible uniquement aux personnes riches. Il a été dit que le problème n'était pas l'accès aux connaissances, mais que le problème est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'a dit André Schreb. Et vous avez aussi mentionné le fait qu'on a besoin d'un système tout à fait nouveau d'organisation et de réglementation de l'espace Internet. Ma conclusion, car j'aimerais déjà passer aux conclusions, serait la suivante. Que pendant la campagne pour la vaccination contre le Covid, nous avons observé combien importante était la révolution numérique. Qu'au niveau local, la révolution nous a donné accès
au vaccin. Mais les personnes qui n'ont pas accès à Internet n'ont pas cet accès automatique aux informations, y compris les informations aussi importantes que les informations concernant les vaccinations. Et ma dernière question serait la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, sans une réglementation appropriée de l'espace numérique, nous pouvons penser à un développement qui ira plus loin? Nous voyons tous l'importance du rôle de la technologie et combien il est important que la technologie se retraduise en une activité plus efficace de nos entreprises. Ça a été mis en évidence par la pandémie. Donc c'est là ma dernière question à tout le monde. On va commencer par Renata. Je pense que on parle aujourd'hui lors de cette rencontre de fonds publics. Et je pense que par exemple, le fait de recevoir des fonds publics devrait pouvoir créer de nouvelles possibilités pour les créateurs, pour les femmes qui sont actives localement. Ça peut être un outil important aussi pour favoriser le développement de l'innovation et de l'inclusion et l'inclusion sociale. Et ça peut être aussi un bon outil pour les fournisseurs de plateformes et éducatives locales. Ça crée des possibilités pour tous les participants et il faut permettre le bon fonctionnement de ce type. Oui, bien, Mark Williams. Sur cette même question. Alors, pensons à la révolution dans son ensemble, la révolution numérique dans son ensemble, cette révolution numérique qui est à l'œuvre. Elle est poussée par des évolutions législatives, en fait. Il y a une exception que l'on pourrait citer, à savoir ce qui a été mentionné par Goran, c'est-à-dire la question des infrastructures, des sociétés de télécommunications, qui devrait peut-être être mieux réglementé. Donc il faut faire en sorte que la réglementation permette le développement des technologies numériques et faire en sorte que tout fonctionne bien. D'accord, merci. Donc en fait, vous demandez une manière, un peu comme il a été dit par une participante, vous demandez en fait une intervention des gouvernements. Les gouvernements doivent être plus engagés en fait dans ce type de processus. C'est ça votre idée, monsieur Franck? Plus d'engagement des gouvernements, c'est bien cela? Dans ce processus visant à faire que la réglementation d'Internet... je pense que... Alors très très rapidement, je pense que il est extrêmement important que la gestion, la gouvernance d'Internet soit un projet multilatéral. Tout le monde doit être engagé dans ce processus. On ne veut pas que ce soit uniquement les organes d'administration publique qui soient responsables de ce secteur qui est dominé dans une large mesure par les représentants du secteur privé. C'est un processus qui demande l'engagement de nombreuses parties prenantes. C'est pourquoi il est important d'organiser des sommets tels que celui-ci, de manière à ce qu'on puisse échanger nos expériences, nos idées. Ça permet d'entendre le secteur public, mais le secteur privé, mais aussi le secteur privé, les ONG, etc. Le monde de l'éducation, de la science, car c'est nous qui allons faire la réalité d'Internet, comme a dit Goran. Donc secteur privé, secteur public. Vous soulignez en fait, ça se demande des PPP en fait, des partenariats publics-privés, c'est ça, hein? Est-ce qu'il est possible de réglementer les choses de cette manière? Goran, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris la question. L'idée de John Frank dit, ce serait de promouvoir... promouvoir le rôle du secteur public dans l'économie numérique.
Quel est votre avis là-dessus sur les instruments de réglementation? Je pense qu'il faut ici voir comment fonctionne Internet. Imaginons qu'en Europe, on déciderait de créer, devrait à la qualité des infrastructures d'Internet, parce que les Européens diraient, allez, on peut être indépendant, on peut gérer nos infrastructures, on peut les faire comme on peut les faire telles qu'on les veut. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont des infrastructures qui sont connectées au reste du monde. Donc les solutions ne peuvent pas avoir de frontières. Les riches, les pauvres doivent avoir le même accès à Internet et puis c'est tout. Donc, quand on parle de réglementation, en fait, les réglementations, il faut réglementer quoi? Vraiment les choses les plus négatives, les discours de haine, les mensonges, les aspects violation de la confidentialité, de la vie privée, ça, oui. Mais il ne faut pas réglementer des choses de base. Il ne faut pas surréglementer. Il ne faut pas aller entraver le fonctionnement d'Internet avec des mécanismes. Vous voyez, il ne faut pas que la réglementation empêche certains carrément d'utiliser Internet. N'allons pas trop loin au niveau de la réglementation. Nous, du côté technique, on va essayer de faire en sorte qu'Internet soit accessible à tous et que les techniques fonctionnent de la même manière pour tout le monde. Et nous voulons protéger les gens de ce point de vue-là. On voit tout le potentiel concernant la réglementation. On voit aussi qu'Internet joue bien son rôle techniquement. Internet est par exemple accessible à tout le monde, quelle que soit leur langue. Il n'y a pas de discrimination par rapport à la langue. Maintenant, ce qu'il faudrait pour que Internet fonctionne bien, je pense que c'est vraiment une approche multilatérale. C'est un projet dans le cadre duquel les gens du monde entier devraient pouvoir s'engager dans la construction d'un réseau, d'une toile qui serait sûre, qui serait l'expression, le fruit d'une collaboration, d'une toile qui serait stable et permettrait à tous de s'en servir. Ce n'est que comme ça qu'on pourra atteindre le succès. Merci beaucoup. On va continuer sur site. Henriette et M. Xuereb aussi. Il n'y a pas de démocratie sans Internet. Il n'y a pas d'économie mondiale sans Internet non plus. Internet est en fait un facteur... un élément important de l'économie globale, qui quand même a montré ses limites. Alors, on va conclure avec Mme Henriette et Xuver. Quel modèle de gouvernance, donc, finalement, je m'adresse aussi à tous les panélistes, mais on revient avec Mme Henriette à Katwix. Quel modèle de gouvernance souhaitons-nous concrètement mettre en place pour pérenniser, voire redéfinir, puisqu'on parle de collaboration secteur privé et secteur public, beaucoup ont insisté sur le rôle néolibéral de l'Internet et son rôle dans le système démocratique. Quel type de gouvernance souhaitons-nous pour pérenniser, voire redéfinir le contrat social, justement, ce contrat social qui lie tous les partenaires d'une société, travailleurs, cadres des entreprises, responsables des ressources humaines, décideurs politiques, agents économiques, enfin d'imaginer ensemble une société plus équitable, plus inclusive, comme avait insisté Mme Renata au début de ce panel, pour faciliter l'accès équitable aux nouvelles technologies, pour que ce ne soit pas exclusivement du ressort des pays les plus riches ou ceux qui s'accaparent la loi du marché, les lois du marché, et qui définissent justement quelles sont les entreprises qui décident de ce système démocratique finalement, puisque ce n'est pas si démocratique que ça. Internet, parfois, lorsqu'il est exclusivement confisqué par des États les plus riches. Madame Henriette. Samira, I'm sorry, you know, they are telling us we need to end the session. We are over time. I'll just be very brief. I think we've heard already from John, from Joran, that we do need to have a multi-stakeholder approach to internet governance. L'approche doit être multilatérale.
Pour ce qui est de la gouvernance Internet, il est important de mettre au point des outils juridiques adaptés. Je voudrais dire d'ailleurs que les droits de l'homme sont particulièrement importants. C'est un aspect important pour ce qui est de notre approche de la réglementation. Je pense qu'il nous faut apprendre sur la base des outils juridiques qui existent déjà. Et je pense qu'on ne peut pas partir du principe que nous avons déjà des solutions toutes prêtes. Il nous faut, de manière vraiment consciente, analyser les solutions qui sont déjà accessibles. Et ça, c'est aussi le rôle de l'IGF, qui nous permet de partager des opinions, qui nous permet de prendre la parole en tant que partie prenante, et peut-être aussi d'avoir une influence sur l'avenir de la numérisation. On nous demande de quitter la scène, mais je vais tout de même rebondir sur ce qui a été dit par John, parce que les réglementations locales peuvent, d'une certaine manière, constituer des interférences, troubler un peu le fonctionnement d'Internet. Mais moi, je considère que l'absence... Enfin, pour aller vite. Trop de réglementation, c'est pas bien, mais trop peu de réglementation, c'est pas bien non plus, parce que ça peut mener à un certain chaos ou au monopole. On peut avoir sinon des monopoles, au moins des oligopoles. Et ça n'est pas positif. Donc il faut trouver un juste milieu grâce auquel les petits joueurs, pour dire, les acteurs de second rang, pourront évoluer dans un milieu pas trop rigoureux. Donc voilà, ça va affecter ça va modeler le visage d'Internet, quels que soient les utilisateurs d'ailleurs. Mais ça demande évidemment une certaine dose de réglementation. On ne veut pas surréglementer, mais bien sûr, c'est pas le but. Mais d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Il va falloir conclure. Nous n'avons plus qu'une minute. Donc merci. Désolé d'avoir trop parlé peut-être. Une conclusion. Trop de réglementation tue la réglementation. Sans régulation, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'Internet sans démocratie. Merci à vous tous. Merci à tous les panélistes. Merci à ce débat qui était très très profitable pour moi en tant que média. Et j'espère que l'avenir d'Internet, avec les metaverses, avec les blockchains, avec la loi du marché, avec le néolibéralisme à outrance, profitera aussi à tous les peuples de façon équitable pour un mieux-être numérique réellement démocratique. Merci Monsieur Goran, merci John Frank, merci Marc Williams. Merci Renata, merci Madame Ersusten, Monsieur Zyverk pour Malt, notre physicien, merci. Et je vous souhaite bonne continuation pour the IGF Forum. Thank you. Bye.